A veure, jo volia... Un dels personatges que crec que ha fascinat amb el Christian Grau, amb aquest llibre, que és un llibre de persones concretes, que és una de les coses que volia citar, aquest és un llibre de trajectòries, de biografies, d'aproximar-se arran de terra a nazis molt concrets. No? No un estudi que se'ns escapi, una visió més abstracta, sinó anar a les vides, no? A les històries de vida concreta. Un dels personatges era Otto Ohlendorf, un personatge que quan el jutge Musmano a Nuremberg el va jutjar, es va quedar tan aterroritzat per la barreja de racionalitat i de criminalitat, de tranquil·la criminalitat, no? Que hi havia amb el personatge d'Ohlendorf, que seria condemnat a mort i penjat al procés dit dels anys dels grupa, que va dir Musmano: jo només puc entendre que tinc al davant una barreja del doctor Jekyll i el Mr. Hyde. El doctor Jekyll normal i dins de la mateixa persona, com si hagués pres una pòcima el Mr. Hyde. Jo crec que Musmano no havia entès el nazisme, perquè el Ohlendorf era una persona, una sola personalitat, on la seva racionalitat, fins i tot la seva cultura, la seva preparació acadèmica, la seva capacitat tècnica, no volia dir que no fos capaç de realitzar una tasca de destrucció plenament integrada en una determinada utopia. I això era el que desconcertava, i un determinat idealisme. Això era el que desconcertava a Musmano i que segurament ha desconcertat no només a la població lectora, a la gent en general, sinó també una part del món acadèmic, que fins i tot li costa molt aproximar-se al nazisme i als intel·lectuals nazis, o a la cultura nazi, o al nazisme com a utopia, com a esperança, com a proposta de futur, com a idea d'una generació, com a il·lusió d'una generació, no només com a desesperació, sinó també com a il·lusió. Això costa molt, i jo crec que el llibre del Christian Grau ens porta una aproximació a unes persones que, a diferència de que el jutge Musmano pensava, no eren una barreja del doctor Jekyll i Mr. Hyde, sinó persones integrals, però que havien passat per una concreta experiència històrica, que no és la nostra, que no és fins i tot la d'altres països, sinó la d'una època i la d'un país concret. Experiència que potser resonància de problemes de nacionalitat alemana, de cultura que venen de lluny, però sobretot jo crec que el Christian Grau el que sobretot s'ha centrat en els problemes que venen amb el curt plaç, no? Els problemes que venen de l'experiència, per exemple, per seguir l'organització del llibre que ha fet amb Christian, l'organització és començar per l'experiència de la guerra. L'experiència de la guerra mateixa, de la gran guerra, de persones que no havien participat com a combatents, però de persones que havien estat, com ell diu, com espectadors molt actius, com persones que havien patit experiències familiars, persones que havien patit experiències de gana, persones que havien patit experiències de veure la mort d'una part de la família, com per exemple va ser el cas de Bernardès, una de les persones analitzades. Persones que, per tant, no havien estat alienes a l'experiència de la guerra per molt que no haguessin lluitat. Aquests nens de la guerra, alemanys, són, de vegades, combatents en un altre moment, que és el moment on a Silèsia, a la frontera amb Polònia, hi ha uns problemes de violència de frontera, o el moment que França pot invadir el territori alemany, o el moment del separatisme de Renània, i, per tant, aquests nens de la guerra passen a ser combatents en un front diferent al de la Gran Guerra. L'experiència, per tant, de la violència de la guerra. Nens que són formats, que arriben a la vida amb una experiència que ve directament de la violència. D'una altra banda, la creació, a mi m'ha semblat molt interessant el llibre, la creació dels espais de sociabilitat. A la xarxa d'uns espais de sociabilitat que per a aquestes persones és un espai de sociabilitat, podria haver d'altres, universitari. Aquests terroristes, aquestes persones que portaran endavant el genocidi,
són persones que tenen titulació acadèmica alta. Poden ser llicenciats. Moltes vegades són doctors. Moltes vegades són doctors. I, per tant, aquestes persones amb un títol acadèmic important, la seva xarxa de sociabilitat de la direcció de l'organisme de seguretat del Tercer Reich, de l'élite, més élite, de la flor innata, no? del Tercer Reich, resulta que són persones que, a diferència del que podríem pensar, aquests butxins són doctors. Són, alguns no arriben a doctor per casualitat, com l'Ollendorf, però hi ha el doctor formats a la universitat, de vegades amb dos doctorats, és a dir, doctor i doctor, cosa que a Alemanya no és tan infreqüent, i que a unes quantes universitats alemanes, Leipzig, Göttingen, Heidelberg, constitueixen una primera xarxa de socialització a través dels estudis d'economia, de dret i també de la geopolítica, formant-se en unes ciències socials que constituiran també la seva ideologia. Estudiar, per exemple, la qüestió oriental, estudiar l'economia amb una visió de geopolítica, estudiar el lloc que ocupa una Alemanya mediterrània, una Alemanya encaixada, que no té una fàcil sortida del món amb un espai molt oprimit, no? Com un espai petit per a Alemanya, això, aquesta joventut es forma amb aquestes idees d'una forma molt natural. Certament jo crec que també aquesta joventut es forma no només amb idees positives, ideològiques de la universitat, sinó també en un moment, als anys 20, poc abans d'arribar a la crisi del 29 i del 30, quan la classe mitja alemana és destruïda en bona mesura per processos de modernització accelerada i, per tant, els problemes d'identitat liberal, de la cultura liberal de les classes mitges alemanes, jo crec que comencen també abans, comença a la meitat dels anys 20, quan apareixen partits populistes i es comencen a buidar els grans partits de caràcter liberal de les classes mitges alemanes. D'aquí, d'aquesta realitat de la socialització, és com el Christian Ingrau planteja després el fer-se nazi. Clar, els nazis no neixen. Els nazis, els feixistes, es fan. I el Ingrau es planteja com és que es fan nazis. I què vol dir fer-se nazi? Perquè el Six, quan va ser, que per cert es va salvar fins i tot d'una condemna llarga i va reprendre la seva vida empresarial a Alemanya després tranquil·lament, el Six plantejava al seu procés que hi havia, que no tenien interessos ideològics, que hi havia una barreja de cultures, polítiques, d'ideologies, però que de fet amb el nazisme, ells no s'havien afegit al nazisme per una ideologia concreta, sinó que hi havia una gran quantitat de posicions ideològiques. I de fet, en Grau el que assenyala és, no, hi havia un mínim comú denominador, que era el projecte ideològic. I per tant, per molt que uns vinguessin més del moviment völkisch, ortodoxa, de l'antisemitisme o de les noves idees modernitzants del neodarwinisme, hi havia una cosa que tots tenien en comú. O de les idees geopolítiques sobre la conquesta de l'est, hi havia una cosa que tots tenien en comú. La idea, el justificant biològic per fer una nova política i per la construcció d'una comunitat nacional amb criteris biològics i el dret dels alemanys de construir una comunitat nacional conquerint un territori indispensable per l'alimentació i per la protecció d'una determinada raça, d'una determinada comunitat racial. Això és ideologia, això és una utopia, això és un projecte que fa que, per tant, el Grau digui sí que hi havia una ideologia unificadora. És evident que podia haver determinades diferències com trobem a qualsevol projecte de l'extrema dreta del feixisme en aquest moment. Però dir, com deia el Six, crec jo per salvar la vida, que no hi havia una proposta que conduís directament al genocidi. Això crec que no és veritat. Hi havia una proposta que portava al genocidi. Pensem que aquestes declaracions del Six dient que no hi havia ideologia eren per salvar la vida. Però sí, que hi havia no només una proposta ideològica, sinó que el que es tracta de demostrar, jo crec que per aquest llibre, és que la proposta utòpica i la proposta intel·lectual i la proposta, diguem-ho així, racional, d'una nova racionalitat, de la Sachlichkeit, de la nova objectivitat, està vinculada d'una forma no, diguem, determinista,
però si no incongruent, o sigui, d'una forma congruent, amb la realització del genocidi, de l'extermini. Una ocupació, una construcció de la comunitat popular que porta necessàriament a la destrucció de comunitats perilloses per seguretat o la destrucció de comunitats que no tenen el dret a viure com té una comunitat racialment superior, o bé a una destrucció que acaba tenint una lògica pròpia, una destrucció de vides alienes que, per homogeneitzar, no només homogeneitzen les víctimes, sinó que també acaben homogeneitzant i creant un compromís radical amb els teta, amb els perpetradors. El nazi et fa del tot en el moment en què l'exercici de la violència converteix el que havia estat una educació purament ideològica en també una pràctica del genocidi vinculada a una organització molt racional, molt estudiada, molt tecnocràtica de l'ocupació d'un territori i dels immensos problemes que suposava la creació d'un imperi colonial ocupant un territori que havia estat ocupat per una població inferior. I de vegades per una població a la qual se li havien determinades venjances, com per exemple el cas de Polònia. S'havia de retornar el que els polonesos havien fet als alemanys després de la Gran Guerra. Jo crec que una de les coses més esfereïdores d'aquest llibre és la part dedicada precisament al paroxisme de la violència. Com aquests joves estudiants a les universitats, aquests joves que s'afilien de vegades no directament al partit, sinó que es podien afiliar primer a la CSS, o el Servei de Seguretat, l'SD, el Sicherheitsdienst, aquest Servei de Seguretat, aquest petit instrument de la CSS, que permet afiliar-se a l'SD sense ser membre del partit nazi. Aquesta avantguàrdia, aquesta èlite tecnocràtica, ideològica, cuidada per Himmler i per Heydrich, passa a ser un nucli essencial del projecte nazi, certament enfrontat amb altres organismes, altres agències del partit i de l'Estat en aquell moment, però el que s'estudia en aquest llibre és la lògica interna d'aquesta gent. I veure com dins d'aquest nucli que és el Sicherheitsdienst, l'SD, el Servei de Seguretat, el que es crea és una psicologia, una visió del món molt vinculada a l'estat de guerra. Primer, amb el laboratori de Polònia, jo crec que és interessant distingir la fase polonesa. Certament, en Grau diu, és important la fase txeca i la fase austríaca dels Einsatzgruppen, però jo diria que sobretot és important distingir la fase del laboratori de Polònia, que actua com un gran laboratori, moment en què es creen organismes, per exemple, no només l'organisme de seguretat, sinó els organismes dedicats al transport, a la deportació, a la migració, són entregats a Himmler, amb un organisme nou que es crea el 1939, i per tant la seguretat es vincula a la deportació i al moviment de població, i separar la part del laboratori polonès del que seria la gran operació de la conquesta de la Unió Soviètica i la realització de l'extermini a partir del juny de 1941. Un extermini que té fases diferenciades, matar, per exemple, els homes que poden agafar una arma, passar a matar després a les dones, hi ha un moment de canvi entre matar els homes perquè són resistents, a matar a les dones també i als nens, o passar a matar a tothom, dins d'un cicle que finalment acabarà amb la planificació del que serà la dita solució final. Jo crec que aquesta trajectòria s'ha examinat moltes vegades, però jo crec que el que està guanyant terreny en la historiografia és una aproximació a fer-ho des del punt de vista de les biografies. Ja comença a haver els estudis de Dilt, per exemple, dedicats a la generació dels membres de l'RSHA, de l'Oficina Central de Seguretat, els estudis biogràfics sobre Ohlendorf, hi ha un estudi biogràfic sobre Six excel·lent, jo crec, el de Gerner Forschung, no? Perquè és un personatge Six poc citat, però molt important en aquesta estructura. És curiós com personatges molt importants la gent els desconeix perquè no han estat molt citats. Hi ha, per tant, una aproximació a l'estudi sobre Werner Best que va publicar Ulrich Herbert, és un estudi en aquest sentit pioner. És a dir, aquesta aproximació a les vides concretes de les persones
ens permeten veure, no només veure com sempre s'estudia el règim amb el seu conjunt, amb abstracte, anònim, o amb les persones que estem acostumats, Hitler, Göring, Goebbels, sinó que ens porta aquest tipus de quadre mig, aquest tipus d'individu absolutament indispensable, i veient-lo des del moment que comença a estudiar la carrera, fins que ens converteix no només en la persona que té el poder de matar i que per quins motius necessita matar i s'educa matant i dona exemple matant ell mateix, sinó també com assumeix la desfeta. Com assumeix la desfeta i com assumeix les responsabilitats. És a dir, els que tracten de negar qualsevol responsabilitat o els que accepten la responsabilitat sabent que això els pot costar la vida o els que explicant la racionalitat del que han fet pensen que potser es podran lliurar perquè trobaran una certa complicitat pensant que ells no només s'han limitat a complir ordres sinó que han fet les coses en un escenari de violència completa. Jo crec que el mèrit entre un dels mèrits d'aquest llibre es troba que l'escenari de la guerra i amb Christian Ingrau és una persona que està treballant en equips de treball molt sòlids sobre l'experiència de la guerra, de la Gran Guerra a França, etc. Jo crec que com l'escenari de la guerra és un escenari que no desmenteix el projecte nazi. És a dir, els nazis, si no hagués estat per la guerra, potser no haurien fet l'extermini. És la guerra la responsable, no el projecte nazi o feixista. Aquí a Espanya se'ns diu que la guerra va ser l'alternativa a la instauració a Espanya del feixisme. És a dir, el que va venir va ser una dictadura militar, però no exactament el feixisme. Quan jo crec que aquí a Espanya la guerra va ser el procés constituent del feixisme espanyol, perquè va ser el que va permetre l'escenari de total exercici en llibertat de la mort de l'adversari i de la construcció d'una comunitat d'assassins, de persones que mataven i que creaven una nova legalitat amb un estat permanent d'excepció i que, per tant, això era la realització del projecte feixista a Espanya, no la seva negació. La guerra al front oriental no nega el nazisme, no el radicalitza, sinó que el consuma, diguem, fa que el nazisme pugui obrir-se del tot, pugui florir i ser el que era realment l'utopia que aquests estudiants de les universitats alemanes dels anys 20 havien estat somiant. Que això els hi sortís malament és una altra cosa, clar. Que perdessin és una altra cosa, però que l'escenari de la guerra no era un escenari indesitjable per a aquesta èlite és molt important veure. Jo crec que tenim aquí un excel·lent llibre per entrar en el que és una aproximació a unes dotzenes de personatges, i jo diria que 5 o 6 fonamentals, poc coneguts en general, coneguts a l'àmbit acadèmic, gent com Ollendorf, gent com Six, personatges fascinants per entendre el que és el nucli del nazisme a Alemanya i com joves que no havien fet la guerra es converteixen en el sector més radical del nacionalsocialisme i, per tant, en aquest sentit, el recomano calorosament a les persones que hi són aquí i com vinc recomanant-lo des de fa temps a les persones i als meus alumnes de la universitat. Jo, un cop feta la presentació del que jo crec que he pogut llegir i entendre amb aquest llibre, jo crec que podríem potser començar una conversa o que el Christian digui bàsicament són aquests els temes que realment volia situar en una investigació que en bona part jo crec que deu resultar de la tesi doctoral, la primera gran investigació que vas fer. Merci de cette présentation. Le son était un peu fort et donc j'avais du mal à entendre si je disais plus la traduction. Donc la présentation était très fidèle à ce qu'il y a dans le livre et simplement, ce que moi je voudrais dire, c'est que je remettrai l'oreiller quand je n'arrive pas à suivre, parce que c'est vraiment compliqué quand même. Simplement, ce que je voudrais dire, moi, c'est que c'est partie d'une génération de gens qui intervient et succède à deux générations d'historiens du nazisme. La première de ces générations, c'était les historiens de la catastrophe. Ceux qui avaient fait leurs études pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avaient même très souvent, à la fin de la guerre, comme des adolescents ou des très jeunes adultes, participaient à la guerre et qui, je parle des historiens allemands bien sûr, parce que c'est eux les principaux protagonistes de tout ça, et qui, pour qui, la question c'était comment est-ce que nous, qui avons eu à la fois Goethe et Beethoven, nous avons pu commettre ces erreurs. Et la réponse de cette première génération, elle était très simple, c'était la magie et la manipulation. C'était l'idéologie nazie est une sorte
de malédiction, de sortilège qui aurait, par la magie du verbe hitlérien, amené les Allemands à commettre les horreurs qu'ils avaient commises. Ces gens avaient été formés dans les universités allemandes très classiques en faisant de l'histoire et de la philosophie. Et donc, pour eux, le nazisme était, comme l'enseigne un petit peu, un petit peu schématique, comme le disait l'hegelianisme, une idée qui avait été mise dans le réel, qui avait été imprimée dans le réel par cet homme sombre qui était Hitler. Et c'est ce qu'on appelle l'intentionnalisme. Pour cette première génération, le génocide des Juifs était décidé, prévu et voulu par Hitler. Depuis 1919-1921, il aurait été, d'après ces gens-là, écrit dans Mein Kampf, et tout le reste n'était que, comme le disait un des historiens, la réalisation d'une idéologie. Ces hommes ont été les hommes de la reconstruction de l'Allemagne. Et la reconstruction de l'Allemagne, c'était la reconstruction des universités, et dans les années 60, au moment où ces hommes deviennent des hommes mûrs, des hommes d'une cinquantaine d'années, ils décident qu'il faut adapter l'université au monde tel qu'il est. Et donc, pour adapter l'université, le monde, il n'a pas besoin tellement de philosophie, il a besoin de sciences sociales, et il faut rénover les cursus en disant que les historiens vont faire un peu de sociologie, un peu de sciences politiques. Et donc, leurs étudiants sont des gens qui sont formés radicalement différemment. Ils ne savent plus ce que c'est qu'un le latin et des verbes semi-déponents, mais qui vont faire de l'histoire avec de la sociologie, en lisant Max Weber, en lisant de la science politique, et qui essayent de comprendre le nazisme non plus tellement comme une sorte d'idéologie, mais comme une mécanique étatique qui s'est mise en place et qui va, par un certain nombre de mécanismes, mettre en place des politiques de plus en plus radicales. Ces gens sont actifs des années... Ce sont les gens des mouvements d'étudiants aussi, hein. Ce sont les gens qui vont connaître et être les acteurs de mai 68 et du mouvement étudiant allemand. Et ces gens vont devenir dominants dans les universités allemandes dans les années 80 et au début des années 90. Et ils vont former une troisième génération d'historiens, dont je pense faire partie, qui va être marquée par l'expérience de ce qu'a été les années 90 dans l'historiographie du nazisme. Les années 90, c'est à la fois une polémique assez violente entre ces gens qui disent les uns c'est Hitler et l'idéologie qui est responsable du nazisme, de l'autre qui disent c'est la radicalisation cumulative d'agences étatiques de plus en plus radicales et de plus en plus brutales qui est responsable du génocide. Et le génocide est une sorte de machine politique qui s'emballe et qui conduit d'une politique anti-juive marquée par l'immigration vers une politique marquée par l'extermination. Ces deux écoles se mènent la guerre pendant les années 80 et jusqu'au début des années 90. Et les gens avec lesquels je travaille, et les gens qui sont ceux de l'université allemande, mais aussi américaine des années 90 et 2000, sont des héritiers de tout cela. Et les étudiants de cette époque-là, vous savez très bien, quand les professeurs s'engueulent, les étudiants essaient de se cacher. Hein, et donc, ils ne veulent pas avoir affaire à cette polémique-là. Et donc, vous avez toute une génération, une nouvelle génération d'historiens, qui va mettre en place un apparent néo-positivisme en disant « Nous, ce qui nous intéresse, c'est les faits et rien que les faits. » Et qui mettre en place quelque chose qui est de l'ordre du « on ne va pas s'intéresser à ce qui s'est fait, on ne va pas s'intéresser à l'idéologie, on ne va pas s'intéresser aux fonctions étatiques. Nous, ce qu'on va faire, c'est... aller étudier des archives au plan local, dans ces territoires qui viennent de connaître la chute du mur. On va aller regarder les archives en Pologne, en URSS, en Yougoslavie, dans la République tchèque, etc., etc. Et on va regarder jusqu'au plan local ce qu'étaient les nazis. D'un autre côté, les mêmes historiens ont désormais à leur disposition des fonds documentaires, qui sont des fonds documentaires extrêmement intéressants et qui sont le fruit des enquêtes qui ont été menées par la justice ouest-allemande à partir de 1958 pour sanctionner les crimes nazis. Et donc, à ce moment-là, on a une véritable parole de ces bourreaux, de ces gens qui ont tué, de ces gens qui sont soupçonnés de l'avoir fait et qui disent, voilà, il s'est passé telle chose, on a fait tel truc, j'ai fait partie de telle exécution, je l'ai fait pour telle raison, etc. C'est ce livre de Christopher Browning qui s'appelle Des hommes ordinaires, hein, et qui existe à la fois, je crois, vous me direz si j'ai raison, mais à la fois en espagnol, en français, en anglais et en allemand. Et donc, il y a à ce moment-là
une nouvelle approche du national-socialisme qui se met en place et qui essaye de s'éloigner des deux trucs, des deux premières écoles. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de dire simplement que je n'étais pas d'accord avec le fait que le nazisme était quelque chose pour qui avait été le simple emballement d'une machine étatique, que ces machines étatiques, ces agences qui vont opérer les politiques nazies, qui vont opérer le génocide, elles sont peuplées d'êtres humains. Que ces êtres humains, ils ont une histoire. Et que quand on regarde leur profil social et générationnel, on s'aperçoit que ce sont des gens qui sont nés entre 1900 et 1910 et que tout simplement, il faut essayer de faire l'histoire de cette génération. Et donc, pour faire l'histoire de cette génération, il y a un truc tout bête à faire. Il faut essayer de faire leur enfance. Et faire leur enfance, c'est faire l'enfance de gens qui connaissent la Grande Guerre, qui connaissent la Première Guerre mondiale. C'est ça qui a été, si vous voulez, le point de départ de mon travail. Jo, el que situava ara el Christian és com, amb aquesta evolució de com ens hem aproximat, crec que al món acadèmic, això, perquè després hi ha l'aproximació de l'opinió pública, perquè si hi ha un tema extraordinàriament no conegut, però jo crec que un tema familiar amb la formació d'una cultura cívica és el nazisme, no? Tothom coneix la paraula Auschwitz, tothom coneix l'esvàstica, tothom li resulta familiar la cara de Hitler. Per tant, hi ha, diguem, una indústria cultural que ha generat una certa familiaritat amb el nazisme que potser ha estat confosa amb una certa, amb un coneixement, amb entendre com va arribar el nazisme. Potser tothom sap tant, ho ha vist tantes vegades a tantes pel·lícules, a vegades, que la gent pensa que coneix el nazisme i, de fet, jo crec que el coneix poc. Llavors, la reflexió que feia aquí, Cristina, molt del què és el món acadèmic, no? Les etapes del món acadèmic i una pregunta fonamental que ha estat allò que diem intencionalistes contra funcionalistes, el món allò, com Tim Mason, amb el seu moment, és a dir, els intencionalistes que diuen el que va passar estava des del principi en la ideologia de Hitler i, per tant, és purament l'aplicació en el moment oportú d'allò que el nazisme portava com una intenció ideològica i fins i tot que Alemanya portava com una intenció ideològica alguns des de Schiller i uns altres des de Luther pràcticament, no? I d'una altra banda els que serien els funcionalistes que dirien que el que havia passat amb l'Holocaust, amb el genocidi, amb l'extermini, no era el resultat de les intencions de Hitler, sinó una lògica estructural, una lògica de les condicions de la guerra i de la competència entre agències que havia construït una espècie de caos organitzatiu que havia portat a que, com a resultat de la pròpia contingència dels fets, arribés la catàstrofe. És a dir, que no hi havia una ideologia, sinó una estructura del poder construint-se. Aquest és un debat que per historiadors resulta molt, molt fi, molt, cuideu, carregat d'elements ideològics, aquí això també carregat d'elements ideològics, de la mateixa manera que els elements ideològics dels quals no podem deixar de donar resposta és els elements sobre el debat sobre el totalitarisme, per exemple, que és un debat que segurament jo, que soc més gran desgraciadament soc més gran que el Christian, doncs he viscut com un element important, és a dir, estalinisme i nazisme, per exemple, liberalisme contra totalitarisme, democràcia contra totalitarisme, i que s'ha d'establir l'equivalència entre el nazisme i l'estalinisme. Però jo, en tot cas, el que li plantejaria com a qüestió, a part d'aquests debats acadèmics, el que li plantejaria al Christian és que ens trobem davant d'una generació, perquè clar, persones alemanys que van viure les mateixes experiències de guerra van tenir opcions personals que van anar per una altra banda. És a dir, què juga aquí el determinisme, com juga el determinisme i la voluntat amb la decisió de fer-se nazi per part de persones que havien tingut les mateixes experiències de després d'infància, de joventut, no? La persona que continua sent demòcrata, socialdemòcrata, a l'Alemanya, sí.
És un element determinista. Per la història generacional, les generacions hi ha gent que pren diverses posicions, no? No tots es fan nazis, no? Bon, tout le monde n'est pas nazi, c'est sûr. C'est sûr. Mais quand il y a un grand historien qui s'appelle Friedrich Meinecke, qui est le pape, le chef, le fondateur de l'histoire politique allemande dans ces années-là, et Friedrich Meinecke a écrit de très très beaux textes sur le sacrifice de la jeunesse allemande pendant la Première Guerre mondiale, mais il a aussi écrit un texte dans lequel il essaye de décrire l'attitude politique des étudiants pendant ces années 1918-1920. Et ce texte, très beau, dit « À l'Université de Berlin, nous avons 10 000 étudiants. Sur ces 10 000 étudiants, il y en a 9 600 qui s'occupent de politique et qui vont tranquillement à leur cours, sans s'occuper de politique, sans faire quoi que ce soit. Il en reste 400 qui sont, et c'est en anglais dans le texte, « en high spirit » et qui sont des militants prêts à en découvrir. Sur ces 400 étudiants, il y en a 300 qui sont des politiques, qui sont des nationalistes, biologisés, antisémites, irrédentistes. Il en reste 100 sur lesquels il y en a 60 qui sont des communistes et qui veulent détruire la République d'une autre manière, en créant une République soviétique. Et il en reste 40 qui sont des démocrates. Ça, c'est une première chose. Maintenant, on va se demander qui sont ces 9600 et qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire, ces 9600 qui n'ont rien dit, qui sont la majorité silencieuse, etc., etc. Ça tombe bien, entre 1918 et 1921, il y a des élections partout en Allemagne. Partout, pas en Allemagne, dans les universités allemandes pour renouveler les instances paritaires de gestion des universités. Vous savez, en France, il y a ces instances, elles existent, et les profs, les élèves, les fonctionnaires de l'université siègent ensemble et décident des budgets qu'on va donner aux associations, aux restaurants universitaires, etc., etc. Partout, en Allemagne, mais aussi en Autriche, les élections qui vont avoir lieu partout de façon un peu dispersée, entre 1918 et 1921, ont toutes le même thème. Les organisations nationalistes et rédentistes dont je suis en train de parler disent « ça ne peut plus continuer comme ça, il faut que nous mettions en place des conditions pour que l'université allemande soit bien peuplée ». Et pour qu'elle soit bien peuplée, qu'est-ce qu'il faut faire, d'après eux? Il faut mettre en place la condition d'entrée qui serait un arbre généalogique. Vous voyez tout de suite ce que ça veut dire, un arbre généalogique. Ça veut dire que les organisations politiques dont nous sommes en train de parler, qui sont antisémites, veulent interdire, on est en 1919-1921, l'accès des Juifs, non pas tellement à l'université, mais aux instances de sociabilité de l'université. Fort bien, on peut se dire que les 300 dont on était en train de parler tout à l'heure sont juste en train de pousser et qui sont un peu fatigants. Mais le résultat de ces élections, c'est que dans toutes les universités, le taux de participation est de plus de 80%. Dans toutes les universités, les mouvements politiques vont gagner à plus des 2/3 des voix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la majorité silencieuse, plus de 50%, 52,8% exactement, des hommes qui peuplent ces universités sont déjà d'accord pour un nationalisme biologisé, antisémite, irrédentiste, préparant la nouvelle guerre et la suite de la République de Weimar. Quel est le poids que peuvent avoir les 30 étudiants communistes, les 60 étudiants communistes et les 40 étudiants démocrates dans ce régime-là? C'est un peu comme si la France d'aujourd'hui, les écoles de Sciences Po et de l'ENA étaient dirigées non pas tellement par un parti presque du gouvernement comme le Front National, mais par une extrême droite qui serait encore plus radicale. Vous voyez? Et ça, c'est une question que les historiens du politique et du nazisme peuvent s'adresser aux spécialistes de la République de Weimar. Il y a quelque chose qui s'est passé entre 1914 et 1920, 21, 22, 23, 24 en Allemagne et qui a radicalisé les élites culturelles, les jeunes élites culturelles allemandes, et c'est celui-là qui est celui du nazisme et qui explique qu'il y a non pas une inexorabilité, mais une inertie qui conduit petit à petit les nazis, d'abord le mouvement politique à se fédérer dans le NSDAP, et ensuite à partir de 1929, le nazisme qui a choisi, les nazis qui ont choisi de tuer la démocratie avec ses propres armes, c'est-à-dire en gagnant les élections, cette tendance va se révéler la plus puissante. D'un procés de gent que no militava al partit nazi, en la qual cosa la feblesa del partit nazi fins a 1929-30
no seria, en canvi, la feblesa d'una extensa actitud nacionalista, racista, irredentista, o sea, el que passa que el nazisme segurament el que fa és ser finalment el lloc de desembocadura i d'organització política i d'homogenització d'una sèrie d'opcions de militàncies diverses, de Sonntagsbund, de la jove ordre alemana, de diversos grups que acaben trobant amb el partit nazi un moviment nacional capaç d'organitzar tota aquesta diversitat d'opinions amb un partit. Jo crec que també el que trobaran aquells és que el partit nazi els dona una altra cosa, que és l'arribada de molta gent que no ve de la universitat. Per exemple, tu, aquesta generació, es refereix a una generació universitària. No és la generació obrera, per exemple. No és la generació de les fàbriques. Aquesta enquesta no està feta al món de la... ni tan sols a les classes mitges que no estan estudiant. És a dir, és una enquesta feta a la universitat. I en canvi el nazisme ofereix com a partit que gent que arriba de l'agricultura, del món del treball, de la botiga, puguin integrar-se amb aquests joves que només han tingut com a experiència de sociabilitat al món acadèmic. Però aquests joves tenen l'aspiració a ser, diria, aquestes persones, aquests joves que tu has estudiat, tenen ja la imatge de ser, de trobar un espai de ser dirigent. No? Jo, per exemple, a la persona que conec d'això, i Golendorf, hi té molt clar que ell vol ser un quadre dirigent amb una proposta fins i tot d'organització econòmica, és a dir, quadres dirigents del món, no només de la seguretat policial, sinó de la vinculació entre la seguretat policial i l'organització econòmica. I tot això a l'entorn d'un altre tema que m'agradaria que situessis, que és el tema del mite unificador de la Volksgemeinschaft. No? El mite de la Volksgemeinschaft, de la comunitat, el mite com a mite imperial, el mite del Tercer Reich, el mite de la Volksgemeinschaft, de la comunitat popular, com a gran mite mobilitzador d'aquesta gent. I dins de la Volksgemeinschaft, superador de les diferències de classe, etc., fer d'aquesta petita élite l'aristocràcia dirigent. Seria així? És a dir, el mite de la Volksgemeinschaft és el que els porta? C'est vraiment une question très aiguë et sur laquelle on n'a pas encore toutes les réponses. La question de cette communauté populaire, Volksgemeinschaft, c'est une figure de rhétorique. Le nazisme se présente comme une promesse sociale d'une nouvelle société qui, après l'épuration, après des politiques eugéniques, après l'arrivée à la pureté raciale nordique, devait mettre en place des cadres dans lesquels une véritable bienveillance sociale et étatique devait advenir et englober toute la population racialement voulue. Ces politiques, elles ont comme préalable donc des politiques qui sont eugéniques, des politiques qui vont être mises en place à partir de 1939, avec par exemple l'autorisation de l'eugénisme, de l'euthanasie, pour d'abord de très jeunes êtres, mais aussi des adultes malades, incurables, etc., etc., mais aussi l'élimination des criminels, des juifs bien évidemment, des déviants politiques, même si les déviants politiques ne sont pas censés être éliminés, mais être rééduqués dans les camps de concentration, des déviants sociaux et, on va dire, psychiques. C'est-à-dire que quand vous êtes aussi un déviant, quand vous êtes dépressif, quand vous êtes alcoolique, quand vous êtes homosexuel, quand vous êtes saignant au travail, etc., etc. Et toutes ces déviances-là forment un cercle, on va dire, un cercle de marginalisation et d'exclusion qui fait que quand on est à l'intérieur de cette communauté, on a droit, théoriquement, à une attitude bienveillante de la part de l'État. Une attitude bienveillante qui s'incarne dans des agences comme l'œuvre d'entraide hivernale ou l'Agence nationale socialiste d'État-providence, le NSV. Et ces agences-là sont à la fois des agences qui sont des agences étatiques, mais sont aussi des associations de bienfaisance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 1 million de personnes dans la SA, il y a presque 3 millions de personnes dans le NSDAP, mais il y a 7 à 8 millions d'Allemands, presque 10% de la population, qui se sont investis dans ces deux agences-là. Et c'est ça qui vous montre qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la promesse sociale dans l'Asie. C'est ça qui vous montre que
le nazisme s'est présenté avec un jour bienveillant et attrayant, et qui explique que les gens se soient investis dans tout cela. Alors, le livre qui est ici ne raconte pas cette histoire-là, ce n'est pas, c'est pas son problème. Ici, moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que la dimension attrayante du nazisme, c'était effectivement cette dimension utopique, mais que même quand on n'était pas tout à fait investi dedans, elle pouvait exercer un rôle, exercer un attrait, une attraction extrêmement forte, notamment sur les intellectuels. Et le RSSA, l'institution qui fusionne la police et les services de renseignement, se pense et s'imagine comme une sorte de préalable à la mise en place de cette false mindset. Parce que ce sont ces gens-là qui sont censés désigner les gens qu'il va falloir exclure. Hein, et qui mettent en place, d'un côté, cette politique qu'ils eux-mêmes appellent négative, mais aussi de l'autre, sont censés mettre en place les grandes politiques de germanisation des territoires occupés qui, à partir de 1939, vont devenir l'une des grandes espérances du Troisième Reich. Això és certament l'aspecte més interessant, com es crea un projecte segurament del segle XX, del més radicalment i explícitament, descaradament expressat, d'inclusió radical i d'exclusió radical. La superació de les classes es fa per la via d'una inclusió que a més és biològica, és a dir, determinada, no és una exclusió feta per motius polítics, és una exclusió per molt que una persona vulgués ser alemana i part de la comunitat popular, no depenia de la seva voluntat. Depenia de la seva càrrega genètica, dels seus defectes, o fins i tot la seva opinió oposada al Tercer Reich era el resultat d'alguna malaltia genètica. El ser comunista o el ser socialdemòcrata podia ser el resultat d'alguna malaltia genètica que es portés, o la conducta de la joventut, que no volia fer-se de les joventuts hitlerianes, els piraten, etc. Els Reichs piraten podien ser joves considerats degenerats i, per tant, també tot interpretat a través de la biologia. Hi ha un tema que si es parla, perquè aquest llibre no és una història del nazisme, evidentment, no és una història del Tercer Reich, i, per tant, queden fora elements tan importants de mobilització com la política social del Tercer Reich, queda fora, queden fora elements que no han estat objecte d'aquesta investigació, faltaria més. Però jo li volia posar una cosa que sí que forma part del debat intel·lectual i fins i tot del debat de la gent, que és la relació entre lògica, diguem, de fanatisme, d'ideologia, i lògica de la racionalitat, no? De vegades oposem el tema... Aquí a Espanya, per exemple, hi ha un debat que pels historiadors espanyols és molt important, de l'enfrontament entre feixistes i tecnòcrates, no? Els anys, els que tenim més anys, recordem que aquí a Espanya els falangistes anaven per una banda i els tecnòcrates de l'Opus Dei anaven per una altra banda, no? Eren dues tendències, dues cultures polítiques que, a més, eren oposadíssimes, que es barallaven molt, sembla ser. Però a Alemanya també s'ha dit, hi ha aquestes persones que estem veient, són presentats de vegades com a nihilistes, com a assassins que maten pel no-res. En canvi, al darrere hi ha una fina organització tecnocràtica, una enginyeria, no?, de l'organització de la nova comunitat que s'està construint. Llavors, amb aquest debat sobre la lògica, sobre el nihilisme, el nazisme com a nihilisme, o el nazisme com a projecte tecnocràtic, del qual aquests homes seran vanguardia d'aquest projecte tecnocràtic, com veus aquest debat entre la fama de nihilista que té el nazisme i la realitat tecnocràtica del nazisme, no?, i l'enfrontament entre una lògica de l'extermini ideològic i una lògica de l'extermini de caràcter tecnocràtic. Sé que la pregunta és absolutament sinistra, no? Però te la volia fer. Però la pregunta és, ja m'imagino el rellot de l'antena. No podia deixar la pregunta. Això, tu podies Bien sûr, tu ne pouvais pas résister à ça, mais n'empêche que tu les as lus, toi aussi, les historiens allemands, et tu sais très bien que Ulrich Herbert, Michael Wildt, moi, Isabel Heinemann, on est toute une armée de gens en train de dire il faut arrêter de prendre le nazisme de l'extérieur et d'opposer une rationalité qui est toujours de gauche, occidentale, démocratique, etc., avec un nihilisme qui serait toujours fasciste, nazi, etc. Moi, je pense qu'il faut plutôt essayer de travailler comme un anthropologue et de se dire, voilà, les nazis sont nos sauvages.
Et comme ils sont nos sauvages, il faut qu'on les étudie, comme on étudie les langues Kwara, etc., etc. C'est-à-dire qu'il faut qu'on essaye de faire, bien sûr, on ne peut pas le faire, mais il faut qu'on essaye de faire une anthropologie, donc une observation participante, et qu'on essaye de penser le social avec leurs critères. Et quand on pense leur social avec leurs critères, on s'aperçoit qu'il y a ce que Ulrich Herbert il appelle une bin incoherence, une cohérence interne du comportement et des catégories de pensée, qui fait qu'il y a une rationalité qui existe, une rationalité nazie. On s'aperçoit bien que, évidemment, quand on regarde la façon dont ces gens agissent, quand ils mettent en place des trains de sélection des populations, avec un premier wagon dans lequel on identifie les gens, avec un passeport, leur adresse, machin, un deuxième wagon dans lequel il y a un premier médecin qui demande l'arbre généalogique, qui regarde qui étaient les ancêtres, de quoi ils sont morts, est-ce qu'il n'y avait pas trop de gens suicidaires, dépressifs, débiles, de fausses couches, etc., etc. Puis un troisième médecin qui prend les mesures du crâne, du nez, des lobes d'oreilles, etc. Puis, en dernier, un officier SS qui commence à poser des questions sur la famille et qui met en place un examen, on va dire, sociopolitique. On s'aperçoit bien que les nazis sont en train d'essayer de montrer que le nazisme est un déterminisme racial, que derrière ce déterminisme racial, il y a une scientificité, qu'elle ne nous convient pas à nous, ça c'est sûr. Hein. C'est clair que pour nous, le concept de race, ça ne veut rien dire. Que la question de la craniologie et de la mesure des crânes et des nez, pour nous, c'est n'importe quoi, mais eux, ils en avaient un critère. Et puis surtout, à la fin, on s'aperçoit qu'il y a une vraie rationalité instrumentale. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est blond, aux yeux bleus, avec un crâne d'oligocéphale, à la fin, il faut qu'il passe le test du policier qui regarde s'il est socialement et idéologiquement fiable. Et donc, on retombe sur des critères qui, au fond, sont ceux d'à peu près n'importe quel. D'à peu près n'importe quelle société. Alors, évidemment, ce ne sont pas nos critères, mais n'empêche qu'ils ont leur cohérence interne et que ces gens n'ont jamais fait n'importe quoi. On a un problème avec les nazis, c'est sûr. On a un État moderne qui a organisé des agences presque aussi modernes que le New Public Management de Mme Thatcher ou du recensement des politiques publiques françaises. Et dans le même temps, on a Himmler, qui envoie une lettre à Bruno Schulz en lui disant « Je suis d'accord pour qu'on adopte le calendrier lunaire, mais il faut bien qu'on soit conscient quand même que ce calendrier ne peut exister que depuis que la Lune tourne autour de la Terre, et donc pas avant. » Et là apparaît une cosmologie radicalement délirante. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une cohérence dans tout ça. Voilà. On peut avoir la cosmologie des Aztèques et en même temps... La constitution d'un État aussi moderne que l'État français du XXe siècle. Aquí hi ha temes que tenen a veure amb l'actitud acadèmica i l'actitud política i moral cívica, no? La reconstrucció de la moral europea, del concepte d'Europa, amb una mesura sobre la negació d'Auschwitz, per part d'una generació. Només podem construir la nostra modernitat negant aquest. Això ha portat el perill de que la negació sigui tan absoluta de dir no podem ni tractar d'entendre la seva lògica perquè en tot intent d'entendre la lògica del nazisme hi haurà una espècie de justificació. Hi ha hagut, per tant, ens hem trobat els que hem treballat aquests temes amb la reprovació. A mi de vegades m'he de dir, escolta, si llegeixes tant aquesta gent, al final no t'hi tornaràs, no? Dic, escolta, puc llegir perfectament. És a dir, jo no vaig als meus companys que estudien el neolític i dient, o els que estudien societats caçadores i els dic, escolta, tant treballar sobre societats caçadores vol dir que un dia no apareixerà aquí vestit amb unes pells i caçant, no mamuts, però potser caçant alguns determinats personatges de la universitat, que també pots trobar-te, no? Però no acabaràs de convertir-te en un caçador revolutor. Només se'ns pregunta a nosaltres, no? Només els que estudiem el feixisme se'ns diu... Jo, per exemple, vaig fer un llibre sobre ideologia feixista espanyola i una part molt apreciable dels meus col·legues em van dir, no del meu departament, sinó d'altres departaments, i persones importants, em van dir, però tu no veus que no es creien el que deien? Que no té cap interès estudiar el seu pensament, que de fet era només una acció sense pensament i en tot cas el pensament era una coartada, no veus que no creien en res? Què vol dir que estudis el pensament d'aquesta gent? Que no té cap sentit, no? Per tant, jo crec que amb això... Ara bé, no voldria tampoc treure't la incomoditat de la qüestió. És a dir,
tu planteges que hem de tenir una aproximació antropològica, hem de tenir una aproximació de dir, ens hem d'aproximar no només amb una visió reprobatòria, amb una visió externa, sinó que sense deixar el punt de vista de les víctimes, hem d'abandonar que el punt de vista de les víctimes sigui l'únic punt de vista. I, per tant, que el punt de vista dels perpetradors, dels nazis, les seves motivacions són indispensables per entendre com les víctimes van arribar a ser víctimes. Si no entenem les raons dels assassins, no entendrem el sacrifici de les víctimes. I una atenció emocional, sentimental a les víctimes ha portat a no entendre la maleïda, la terrible racionalitat que portava l'Holocaust. És a dir, en aquest sentit, el que crec que és important també del teu llibre és veure, com altres llibres han situat, que allò que se'ns presenta com incomprensible, com la realització del que era impensable, és, en bona mesura, una organització regional d'un territori que havia d'alimentar la població alemana, que havia d'alimentar l'exèrcit alemany i que s'havia d'organitzar per acollir alemanys que vivien en altres zones, alemanys ètnics que vivien en altres zones, i, per tant, el servei de seguretat era una espècie d'àngel de la guàrdia de soldats ideològics, de monjos soldats, que havien de defensar aquesta societat construïda en bona mesura a través de la guerra perquè s'havia de crear aquest nou espai i que en bona mesura el que es veu com una sèrie una serial de terrors, de serial killers, de cosa incomprensible, és un projecte perfectament planificat on la victimització de milions de persones només és comprensible per la implacable aplicació d'un procés de conquista, de colonització, d'organització i de preparació per ser la nova pàtria d'una societat racial. Per tant, aquí és on la diferència, abandonar l'aspecte del nihilisme i dir la seva ideologia és terrible, però en canvi el seu projecte és un projecte de conquista territorial perfectament administrat i planificat. I aquestes persones són l'èlite d'aquest projecte. I, per tant, hauríem de llegir les seves justificacions a Nuremberg. Per exemple, el discurs d'Ollendorf, tu no sé si estaràs d'acord amb això, el discurs d'Ollendorf hauria de ser un discurs d'obligada lectura quan s'explica aquesta assignatura, no creus? El discurs de la nostra generació ha fet això per aquests motius, no creus? Oui, c'est sûr. Ce discours de Lundorf, c'est un discours que Otto Lundorf, c'est un des chefs des Einsatzgruppen, donc de ces groupes mobiles d'extermination qui opèrent, lui, il opère sur le sud du front, le front sud, c'est-à-dire l'Ukraine et la Crimée, et il est responsable d'à peu près la mort de 90 000 personnes. Et c'est un homme très jeune, c'est un homme très brillant, et au procès des Einsatzgruppen, il est à la fois pratiquement l'un des plus jeunes accusés, mais en tout cas le plus éminent en grade. Et il va prendre le commandement de la défense de tous les accusés, et donc il est extrêmement exposé. Et ce d'autant qu'il choisit une ligne de défense, très spécifique. Il est le seul à dire « c'est moi qui l'ai fait ». C'est moi qui l'ai fait. J'ai eu un ordre, et cet ordre je l'ai appliqué, et tous mes subordonnés avaient, je leur ai donné l'ordre de le faire, et s'ils ne l'avaient pas fait, vous auriez été tués. Et donc, il est le seul nazi qu'on connaisse dans cette période-là, et qui assume totalement ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il dit, oui, je l'ai fait, c'était pour telle, telle, telle et telle raison. Et il y a un texte dans lequel Otto Lundorf résume tout ça, et c'est sa déclaration finale dans ce procès. Mais en faisant ça, si vous voulez, il choisit d'une part, même s'il est très fin, très malin, que dans ce texte, il n'y a pas le poil mot juif, il n'y a pas une poil mot race, etc., etc., il choisit de conserver les moyens mentaux qui lui ont permis d'envisager et de consentir à la tuerie, y compris de femmes et d'enfants, et il choisit d'exprimer devant les juges américains. Mais en faisant ça, évidemment, il accepte d'être condamné à mort. C'est une stratégie qui est métasuicidaire. Mais dans ce texte, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce texte est un texte d'un nazisme chimiquement pur, et il nous permet de comprendre, d'une part, cette rationalité interne, cette cohérence interne dont on parlait tout à l'heure, et de l'autre côté, ça nous permet de comprendre aussi des mondes émotionnels, la haine, l'angoisse, l'utopie. C'est un des seuls textes qui dit la dimension millénariste du nazisme, qui dit que ce n'est pas par frivolité que nous parlions du Thousand Year Strike, mais nous pensions que les développements d'un État et d'une grande idée peut prendre 1000 ans. Si vous voulez,
cet homme a malgré tout il fait le choix qui est suicidaire de d'exprimer l'émotion du nazisme face à ses yeux. Et effectivement, il est condamné à mort et il fait partie des 5 exécutés, des 4 exécutés de ce procès. Et le jour où il est exécuté, ce qui est intéressant, c'est qu'on lui demande juste avant de tuer, on lui demande s'il a quelque chose à dire. Il dit non, j'ai déjà tout dit lors du discours. Et donc vous voyez, ça donne l'importance, la vérité d'un homme au moment de mourir. Et c'est pour ça que ce texte est intéressant et c'est pour ça aussi que ce texte nous incite, nous historiens, à passer d'une étude qui était une étude simplement des idées, c'est-à-dire une étude un peu d'histoire philosophique, hein, d'histoire des concepts de ce qu'était le nazisme, ensuite d'une histoire un peu vidée des idées, qui était une histoire un peu mécanique des institutions nazies, la troisième génération des historiens, celle qu'on représente, vous et moi, est une génération qui essaye de faire une histoire sociale de l'émotion nazie, d'une histoire, non pas d'idéologie, mais de l'idéologie intériorisée, pas des psychismes, des individus et des groupes sociaux. C'est ça qu'on essaye de faire, dans ce livre. Et ce texte de Lohendorff en est un exemple absolument paradigmatique. Tu le reprodueixes aquí i en bona mesura recomano la lectura d'aquest text de Lohendorff. Jo no sé si caldria passar també a que teniu coses a dir vosaltres, voleu participar en aquest debat, estic sobretot jo, monopolitzant el que seria una conversa i en canvi vosaltres teniu coses a dir, no? Sobre això teniu la gent que vulgui participar, si vol demanar la paraula per participar-hi, per fer preguntes al Cristian, que el tenim aquí, podem fer la conversa més llarga i jo em reservo la possibilitat d'intervenir si la gent no s'anima. Em sembla que hi havia algú allà que volia demanar. Com vulguis, eh? Alors, je pense qu'on surestime beaucoup l'impact de la crise économique de 1929. La crise économique de 1929 est une crise d'une violence absolue, mais c'est une crise de très très court terme. C'est-à-dire que nous, occidentaux, à l'heure actuelle, nous, enfants des années 70, on sait ce que c'est une crise. Ça fait 45 balais qu'on y est. Hein, ça fait 45 ans qu'on vit une crise dans le désespérant, dans laquelle le chômage monte. Ça fait 50 balais, ça veut dire. Et la crise de 1929 est radicalement différente. C'est un chômage qui monte de façon vertigineuse, mais qui redescend en 5 ans. 2 ans après l'arrivée du Hitler au pouvoir, les nazis manquent de main-d'œuvre. Et ce n'est pas de miracle économique nazi, c'est les plans keynésiens mis en place par de bons conservateurs bourgeois, juste avant que le nazisme arrive au pouvoir, qui expliquent que la conjoncture séculaire n'est pas du tout la même. Donc, la première chose, c'est que l'Allemagne est la deuxième, voire peut-être troisième, nation industrielle au monde, et elle subit une crise économique forte, mais une crise économique de très court terme. Première chose. En bon lieu, l'Allemagne est à l'époque, vous parliez de la télévision, l'Allemagne est à l'époque le pays numéro un en termes de recherche scientifique. Vous prenez les mathématiques, vous prenez la physique, vous prenez l'histoire, la sociologie, etc., etc., qui sont numéro un partout. Donc, la télévision, c'est pas très... c'est pas très étonnant en fait. Hein. Il y a des expériences en 1937 en France aussi, mais il est normal que les Allemands soient devant. En troisième lieu, l'arrivée au pouvoir des nazis a au fond très peu dérangé la société allemande. Quand on regarde les universités, on s'aperçoit que seul 1% des universitaires ont dit moi c'est pas possible, les nazis et dégagent. Donc 99% des gens sont restés. En physique, le plus grand physicien allemand s'appelle Werner Heisenberg, il est resté et jusqu'en 1945, il a bossé en Allemagne. C'était tout à fait compatible avec... du moment où vous n'étiez pas juif, vous pouviez rester en classe. Quoi. Donc, il y a deux choses à comprendre, c'est que l'Allemagne était un pays, et toujours un pays qui a un immense potentiel. La crise est d'une crise de très court terme, et même si elle est extrêmement traumatogène et traumatique, et les nazis sortent sur la vague de la reprise.
A veure, Hannah Arendt té una immensa reputació i potser el seu llibre ha substituït la lectura de llibres que crec que haurien de ser llegits abans de llegir les consideracions d'una persona que no era historiadora i que no havia treballat amb els instruments ni de l'historiador ni de l'antropòleg sobre una realitat molt complexa, aplicant categories morals. I categories morals externes, naturalment, al nazisme. Això que deia el Christian, de tractar d'entendre des de fora i, per tant, situar el que voldria ser una actitud administrativa, on l'actitud d'Eichmann seria que l'actitud purament administrativa, objectiva, de la perfecció del treball ben fet, portaria al fet de que matar un jueu seria com fer un bon motor d'un Messerschmitt, no? Seria l'eficàcia, seria l'important. Aquesta fredor del butxí, que no és un sàdic, que no és una persona violenta externament, que no maltracta els seus presoners com ho fa l'Emos Gotts de la pel·lícula de Schindler, no? Que no és un monstre evident, sinó que la persona corrent, que és un administrador d'oficina, que és un oficinista eficient, se li ha encarregat una feina que en un moment donat ha portat sense el... I, per tant, que les categories del mal i el bé queden recluïdes, o bé, davant d'un mal... Jo també amb això em trobo quan es parla del nazisme com el mal absolut. No? Alguna doctrina jueva que parlaria del nazisme en Auschwitz com el mal absolut. Quan ens trobem davant del mal absolut, o de la banalització del mal, els historiadors ens trobem, jo crec, en un terreny que no és exactament el nostre. A mi, personalment, el que m'interessa és arribar a entendre com el nazisme va arribar a convèncer no només aquests intel·lectuals dels que parla el Christian, sinó treballadors, classes mitges, persones que, per exemple, connectant amb el que es deia la pregunta, van arribar a pensar que l'única manera de desenvolupar Alemanya després dels anys 30 era ocupar territoris perquè Alemanya pogués ser no només una gran potència, sinó que un estat del benestar on l'obrer alemany tingués les mateixes condicions per comprar-se un cotxe com tenia l'obrer d'Estats Units per comprar-se un Ford. És a dir, que Alemanya està prou endarrerida com perquè l'obrer alemany no pogués comprar-se un Volkswagen i, en canvi, l'obrer americà es podia comprar un Ford. I com una societat va ser convençuda de que només a través de l'explotació d'altres països es podria arribar a un estat del benestar propi. Pensem que, per exemple, el pla de la fam, que va que fa, el pensar que l'expropiació de blat d'Ucraïna portaria a la mort de dotzenes de ciutadans russos, això estava dit a la primavera de 1941, abans d'invadir la Unió Soviètica, se sabia que l'expropiació de blat, de menjar, que aniria a parar a la societat alemana i a l'exèrcit ocupant, provocaria necessàriament la mort de, es calculava, alguns milions de persones. Per tant, amb això hi havia una... això no és la banalització del mal, això és una política imperial, expansionista, justificada per motius racials, però que també servien per crear una determinada cohesió a l'entorn d'una política imperial, és a dir, conquerint territoris i nosaltres viurem millor. I no m'estic referint a aquesta èlite, sinó a altres sectors que no entren en aquest llibre. Moi, je vais être plus rapide et plus méchant et plus gentil. Quand, je ne sais pas si vous connaissez ce peintre qui s'appelle Michel Seurat, qui est le peintre du pointillisme. Donc, quand vous regardez un tableau de Seurat de loin, c'est magnifique, etc. Et puis, quand tu te rapproches, c'est des points qui ne veulent rien dire. Et bien, c'est pareil pour Hannah Arendt. Quand on regarde le livre de loin, c'est de magnifiques constructions philosophiques, Heidegger, etc. Et puis, quand je lis le système totalitaire, elle se trompe sur tous les lignes. Seulement, à la fin, elle a raison. C'est tout le problème d'elle. C'est qu'elle se trompe partout, mais à la fin, elle a raison. Quand elle nous dit la Gestapo fonctionne ceci, comme ceci, comme ceci, comme cela, rien n'existe. Mais à la fin, elle nous dit le totalitarisme, c'est l'alliance des masses
avec les élites. Et qu'est-ce qu'on est en train de montrer là? L'alliance des masses avec les élites. Donc vous voyez, c'est compliqué. Sur la banalité du mal, cette fille a quand même eu l'audace d'écrire tout un livre qu'elle va vendre à des dizaines de milliers d'exemplaires en restant 4 jours au procès, en comprenant rien à ce qui se passe et en étant simplement le porte-parole de la stratégie de défense d'Eichmann. Donc la banalité du mal, c'est nul. Mais il y a quand même quelque chose, tu l'as montré, qui est opérant dans le concept. Donc, vous voyez, donc, à la fois, c'est pas bon, mais à la fin, elle a raison. Donc c'est insupportable. Je dirais que com mirar-se un Van Gogh de molt a prop. No sé si un Serrà de molt lluny o un Van Gogh de molt a prop. No? Em sembla que vostè tenia... Una... Alors, c'est toujours la question. Comment... Alors la question elle est habituelle, mais la seule façon d'y répondre vraiment, c'est d'accepter l'idée que nous, 70-80 ans après, pour nous c'est le mal absolu, pour nous c'est l'horreur, etc., etc. Mais à l'époque, le nazisme c'est l'avenir, c'est la jeunesse, c'est le projet, c'est l'utopie, c'est les 300 personnes dont vous parlez tout à l'heure sur les 10 000, c'est les plus énergiques, c'est les plus charismatiques des étudiants qui se rassemblent sous cette bannière-là. Et ça, il faut arriver à comprendre ça pour essayer de comprendre pourquoi ces gens extrêmement intelligents qui adorent la musique, qui font du violon, du piano, qui ont une éducation de classe moyenne, voire bourgeoise, et qui satisfont à ces standards-là et lisent Goethe et Karl Pechila, etc., comment ces gens-là ont pu... Oui, ces gens lisent et écoutent le Rodion de Freud, l'ode à la joie, et sont capables de décider l'exécution de 1000 personnes derrière. Bien sûr. Mais parce que le nazisme a aussi été une promesse pour ces gens-là, était un projet politique qui était considéré comme cohérent et comme attractif par ces gens-là. Et ça, il faut arriver à le prendre en compte si on veut essayer de comprendre les choses. Jo, de més, no sense voluntat de polemitzar, sinó amb voluntat de portar, doncs, potser alguna... A veure, va haver una part molt important de la societat alemana que va dir que no. Jo crec que és important recordar aquella part de la societat alemana que va veure amb el nazisme una dictadura feixista, totalitària, agressiva contra els éssers humans. Va haver molts milions de votants socialdemòcrates. El moviment obrer va ser capaç de donar un vot molt important al Partit Socialdemòcrata el novembre de 1932 encara. Va haver una gent que va resistir, va haver una gent que no es va deixar fascinar per això. Seria important recordar que no va ser tothom. D'una banda això, però també és important recordar una cosa que ara el Cristian, jo crec que situar-nos en el moment, en l'època, perquè mirat des d'ara, mirat per una època gestionada moralment i política històricament per Auschwitz, ens costa, no? Però en el seu moment, després de la Gran Guerra,
A veure, si estiguéssim en una reunió en 1930, jo els he dit sempre als meus alumnes una cosa que els posa molt nerviosos, que s'enfaden molt. Bueno, els meus alumnes s'enfaden el segon dia quan veuen que el candidat de treball que hi ha, però es posen molt nerviosos quan els dic una cosa. Vosaltres que esteu tan segurs de les vostres idees, si fóssiu estudiants d'una universitat alemana en aquests moments i estiguéssim a Heidelberg o a Freiburg a 1930, si aquesta classe té, bueno, les últimes classes que ens posen a l'autònoma, si té 80 alumnes, doncs d'aquesta classe potser 50 hauríeu votat a favor de l'organització nazi d'estudiants a les últimes eleccions. Em diuen tots, no, mai, home, no, ho dieu vosaltres ara, però amb els, a l'any 30 això seria possible. I s'enfaden i es queden una mica perplexos. Però s'ha de dir una cosa, el prestigi intel·lectual que tenia, no només el nazisme, el prestigi intel·lectual que tenia el feixisme a l'Europa després de la Primera Guerra Mundial. Penseu en els intel·lectuals francesos que Dreux, Bradillac, el món de l'extrema dreta, el món de Maurras, la importància que té l'acció francesa al món intel·lectual, el prestigi de Céline, la importància d'intel·lectuals d'un Marinetti a Itàlia, d'un Gentili a Itàlia. És a dir, una part de la intel·lectualitat europea va pensar que el feixisme era una solució de l'època. Segurament ara en resulta molt difícil d'entendre. No només el nazisme, perquè el nazisme també actua com si oblidant-nos dels altres feixismes, no, Cristian? Ens oblidem d'altres feixismes. Perquè els feixistes espanyols i els feixistes francesos i els feixistes belgues que van anar a lluitar al front oriental es van posar un uniforme alemany i van lluitar la CSS contra l'enemic comú que era la Unió Soviètica i aquella part d'Àsia que estava amenaçant Occident. La cosa que diu el Stix al final, no? Hem lluitat per la civilització europea i per tant hem trobat espanyols, hem trobat belgues, hem trobat franceses lluitant amb nosaltres i lluitant a Berlín fins al final. Vull dir que la joventut europea d'aquell moment hi treia unes fulles que es deien fulles de combats de la joventut europea. Hi havia una joventut, hi havia un prestigi intel·lectual, un prestigi a determinada avantguàrdia. A Espanya, per exemple, el Jiménez Caballero, la Gaceta Literària. Hi ha un prestigi que vol dir no tothom va votar pel feixisme, va haver gent que va dir que no. I costava molt dir que no. Sophie Scholl, la Sophie Scholl que va dir que no, costava molt dir que no a l'Alemanya abans del a partir de 1930. Costava molt no deixar-se portar per aquest entusiasme que portava Alemanya. Però va haver gent que va resistir i va dir que no. Però de la mateixa manera, jo crec que hem de tenir una visió del feixisme que, com de la mateixa manera que avui seria impossible que una persona es presentés obertament com feixista, ni els feixistes es presenten com a feixistes, en canvi, als anys 30 ens trobaríem que podríem estar, que alguns intel·lectuals francesos comunistes es podien prendre una copa amb amics seus que eren feixistes. Drille Rochelle tenia amics del Partit Comunista i es prenia potser amb el Malgó, es podien prendre un cafè, persones que militaven en opcions feixistes. És a dir, l'extrema dreta, el feixisme, tenia un prestigi que avui, després d'Auschwitz, ha perdut, no? I jo crec que, per tant, posar-nos en l'època, jo segurament, no sé, el món acadèmic, hem de pensar també qui podia estudiar, de quins sectors socials eren les persones que podien estudiar, no? Venien d'uns sectors socials molt determinats, però jo crec que hi havia una... Hi havia una part de la societat alemana que no va jugar això, però també és important recordar el prestigi, jo crec, del feixisme, perquè els meus alumnes es queden també, i suposo que amb el Cristian passa el mateix, que no arriben a entendre les persones formades, nascudes al 2000, imaginem, o al 1990, el prestigi que podia arribar a tenir el feixisme com a esperança, com a futur, com a idea de la joventut, com a heroisme, com a compromís amb la societat, com a generositat. És a dir, tenim una visió també del feixisme sempre tan en negatiu que no veiem tot el que oferia en positiu d'esperança, de trencament, de revolució, de futurisme, d'utopia al feixisme. No? I per tant, això, sembla que hi havia per allà dues preguntes. No? Thank you.
Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses à comprendre. D'abord, la première, c'est que les politiques anti-juives ont été appliquées de façon extrêmement progressive en Allemagne. L'homme dont vous parlez, c'est un Allemand, je pense. Allemand. D'accord, mais peu importe. En Allemagne, les politiques anti-juives ont été appliquées très progressivement, ça a commencé à partir de 1933, et les déportations des juifs vers les installations d'extermination commencent en 1941. Sur 8 années, leur situation s'est peu à peu aggravée. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est difficile pour les juifs allemands d'arriver à anticiper ce qui est en train de se passer. D'un autre côté, je vais vous donner un autre exemple. On va partir au Rwanda. Et au Rwanda, vous avez des massacres qui ont lieu tous les 5 ans. Les Tutsis ont droit à des émeutes, donc c'est beaucoup plus clair qu'en Allemagne. Des émeutes, tous les 5 ans, il y a des centaines, voire des milliers de Tutsis qui sont décomptés, qui sont tués. N'empêche que le 8 avril 1994, ce qui se passe est tellement incroyable pour les victimes qu'elles ne sont pas préparées. Personne d'entre vous ou moi ne peut concevoir qu'on veuille notre mort. C'est impossible. Et donc, c'est très difficile de pouvoir anticiper ces situations de massacre quand on est une victime. Et je pense que ça a été un des différentiels de comportement dans les communautés juives. Quelqu'un comme George Mosse, qui à l'époque est le fils d'un patron de presse berlinois, le 30 janvier 1933, il y a une voiture qui lui fait franchir la frontière en Suisse. Et il immigre. Alors que rien n'a commencé. Mais vous voyez, cette préscience-là, elle est une exception absolument infinie, voire quantique. Je crois que le thème du rythme est très important, parce que entre la première mesure, la mesure importante que me semble que vous avez référencié, c'est la mesure qui expulsa les fonctionnaires. Les fonctionnaires en général. C'est une loi contre les fonctionnaires. Però que són exclosos per voluntat de Hindenburg aquells funcionaris jueus que han participat a la Primera Guerra Mundial. I només serà ampliat quan mor Hindenburg el 34, això serà ampliat. Això és una llei que es fa a l'abril de 1933, per tant, immediatament després de la victòria del març. Però és una cosa que després han d'anar aturant, i fins i tot pels propis jueus, que hi hagi una llei com la de Nuremberg, com a mínim els donen uns motius de saber quins són els límits de la política racial. Però això és una cosa que, com deia aquí, jo crec que s'aplica d'una forma molt progressiva i que no es podia esperar que arribés per això. Els jueus, fins i tot alemanys, podien pensar que aquest era un antisemitisme contra els jueus polonesos o contra els jueus d'altres zones, però no exactament contra ells. Hi havia... À mes yeux, non. À mes yeux, non, pour une raison. Les hommes dont nous sommes en train de parler sont d'immenses endeuillés. Ce sont des gens qui ont perdu des pères, des frères, qui ont subi l'immense traumatisme de la résurrection de la mort de masse. Et de tous les bords du spectre politique allemand, ce phénomène-là travaille tous les gens dont on est en train de parler. Grâce à l'Union européenne, messieurs, dames, nous ne sommes pas ces gens-là. Grâce à l'Union européenne, ça fait 60 ans, 70 ans qu'il n'y a pas eu de guerre en Europe occidentale. Bien sûr, il y a l'exception et la honte du conflit yougoslave qu'on aurait dû éviter. Mais grâce à l'Union européenne, nous n'aurons plus les mêmes comportements que les gens. Però a més, no només per la vacuna d'Auschwitz, sinó i d'una vacuna de dues guerres mundials consecutives i una guerra civil a Espanya, sinó crec que hauríem arribat ja a això, vull dir, la societat dels anys 30, amb unes determinades coses, ja s'hauria armat i hauria acabat a trets si no fos perquè estem en una situació en la que el coneixement que tenim del món, la capacitat de xarxes socials, el coneixement de l'altre que tenim, no és el coneixement que als anys 30 els petits espais de sociabilitat aïllats tenien dels altres. Vull dir, estem en una societat que dona un nivell d'apertura, de coneixement del que són els altres, que no és el nostre nivell de coneixement. El que passa és que els problemes econòmics, la violència econòmica que estem patint, les precarietats, les crisis,
precisament que no hagin donat una resposta com la que es van donar als anys 70 demostra que estem en una societat que afortunadament és diferent amb això, amb la capacitat que tenim d'entendre formes diverses de vida, de conèixer altres cultures, etc. I això normalment seria... Vull dir, on fa tot dia. Sí, sí. Merci pour l'écoute.